Guillaume Artufel est le grand favori, il a signé le meilleur temps de la séance du matin. Son métier de moniteur de pilotage lui permet d'exploiter au mieux le potentiel de la V6 aux couleurs de l'US Navy. Il est opposé à un garçon d'expérience, Jean-Pascal Burguet, au volant de la V6 blanche. Au prix d'une attaque de tous les instants, Artufel s'impose avec un chrono de 54 secondes, 91 centièmes. Mais à la surprise générale, ce n'est pas Jean-Pascal Burguet qui signe le deuxième meilleur chrono. Guillaume s'impose devant son ami avec Christophe Sanier pour près d'une demi-seconde. Content. Déjà, je félicite tous les autres, hein, parce qu'il y a quand même un niveau sympa. Et puis, je remercie bien sûr VIP Chaland et Jean-Philippe Desroux qui nous ont permis de gagner ces courses. Christophe. Les deux vainqueurs se connaissent bien, ils travaillent tous les deux dans le même domaine. Bah, on travaille ensemble, en fait. Donc, oui, mais puis on a partagé la chambre d'hôtel, mais on a tout bien tout honneur. C'est peut-être ce qui nous a aidés, on est moniteur de pilotage aussi, donc... On travaille sur les voitures.